Je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton... ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure, à savoir Spider-Man épisode 6. N'oubliez pas de quoi vous délecter. Une petite boisson, pourquoi pas. Un petit truc à grignoter. Voilà, faites attention quand même de pas trop manger, de pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, trop acide, trop tumulté. Enfin bref, en gros, ne mange rien. Hein, suce donc de la salade. Et quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez kiffé cet épisode 5, parce que moi j'ai trouvé juste fascinant et incroyable. Et vraiment, quel plaisir, quel plaisir j'ai eu. Hop, voilà, putain, je me suis calé d'un coup, c'était terrible, hein. Quel plaisir j'ai eu, je disais, à vous faire cet épisode et ce morceau de scénario. Et on va continuer, évidemment. Si on croise des sacs ou des crimes, on s'en occupe, c'est vite fait. Ça permettra de débloquer des tenues, c'est plutôt cool, on va pas se mytho. En attendant, merci à tous d'être toujours aussi présents. À chaque épisode, vous êtes incroyables, vous êtes beaux et vous êtes juste fous, les gars, tout simplement. Allez, on y va, on arrête, cessons de bavarder. Il y a encore un monument, regardez, 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 regardez. Hop. Parfait. Allez, ça dégage, hein. Ça dégage, encore un. Allez, les gars, les gars. Hop. Bien, celle-là. Voilà. Encore un. Eh, les gars. Magnifique. Moi, je te l'ai fait, moi, tes photos, frérot. Y a pas de soucis. Moi, tu me le dis, on est là, hein. Allez, 5 sur 16. Ça, c'est fait. Non, mais attends, y en a aussi là. Faut que j'aille à l'autre bout, je crois, de New York. C'est pas possible autrement, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, tout ça, c'est en allant à notre objectif. Incroyable. Heureusement qu'on était donc traîné à l'autre bout de la ville pour ces enchères. Et ben on va les prendre en photo, écoutez. Ce serait dommage de passer à côté. Qu'en pensez-vous? Je me demande si le roi T'Challa a gagné ses pouvoirs en se faisant mordre par une forme radioactive. Même pour un balèze comme lui, ça doit faire mal. Ok. Attendez. Ouf. Un chef-d'œuvre. Allez, on va récupérer le sac juste derrière. On va pas poser de problème. Et puis on va pouvoir continuer notre petite aventure. Oh, du Jésus. Il est où celui-ci? Oh, dis donc. Par où il est passé? Comment tu t'es... Comment il s'est faufilé là-dedans, celui-là? Ce petit filou. Alors là, en vrai, c'est le boss, hein. Ah, il est en dessous, putain. Ok. Ok. Hop, on est parti. Ça, c'est fait. Allez, on se casse. Direction notre objectif. Et si on croise... Bah tiens, il y a encore un sac juste ici. Impeccable, bio, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ça va par chez vous? Allez, go. Ok. Il est où le sac? Vous avez vu un sac, madame? Je suis à deux doigts de bouillard. Eh ben, il est là. Hop. Ça c'est fait. C'est un fragment de rhino. Voilà, je sais pas qu'est-ce que ça fout dans un sac que j'ai mis là-haut, mais bon. C'était plutôt important de le faire. Allez, on est parti, on va faire une autre quête. Bon, voilà, on a quasi tous les monuments là dans notre vue. Plutôt sympa. Il nous en reste pas beaucoup. Donc on les prendra quand on passera là-haut, bien évidemment. Allez, go. On va à notre objectif. Ça ne serait pas plus tarder parce que je sais que vous bouillonnez et vous voulez voir la suite. En même temps, après ce qu'on a vécu, les gars, c'est normal, hein. N'importe qui l'aurait fait, hein. Allez, on y va. Désolé, je buguais. J'étais en train de regarder le décor et je me disais, putain, le jeu est juste vraiment beau, en fait. C'est un putain de clip, ça me fait plaisir, en fait. Juste des fois, on est comme vous et des fois, c'est vrai qu'on aime bien jouer et ne pas parler et se dire que c'est cool, en fait. Allez, c'était un petit crime. Il s'est passé quelque chose.
toi tu refolies. Ah! Salut Herman! Sérieusement? Waouh 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 waouh! Tu vas où là, frérot, frérot? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ok. Tu sais que tu tues des gens là, hein, chaque voiture que t'éclates, hein. C'est gentil de ta part. Ok, tu vas où comme ça? À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage, ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Allez! Ah, pardon, j'oubliais. Tu l'as pas. Ça c'est fait! Parlons un peu. Il m'a mis une bonne patate. Ok, on est reparti. On est reparti. Il m'a mis clairement ce que je mérite, Herman, celui-ci. Fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel! Faut vraiment être désespéré! Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ok. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois! J'en ai assez dit. Allez, on l'a bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Allez, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Ok, putain, c'est chaud de ouf! Lui pour choper, les gars! Ok. C'est chaud de ouf! C'est chaud de ouf! Bon, attends, il est en train de retourner New York, ce con. Ok. Mais non, j'ai esquivé! Aïe! Je prends un pas. Il est en train de filer. Ok. C'est chaud, hein. Vraiment, les gars. Là, c'est pas évident. Ok. On essaye de gagner. C'est bon, on récupère de la distance. Pas évident, cette connerie. Ok. C'est bon. C'est chaud, hein. C'est chaud, les mecs, hein. C'est chaud, les marrons, comme on dit dans le milieu de tout ce marronnade. Waouh! Il m'a annulé. Non, il est chaud. Ça, j'arrive pas à l'esquiver. Et pourtant, je vous promets, je vous assure que j'appuie au bon moment sur rond. Mais ça esquive pas tout le temps. Là, je suis sur rond continuellement. Vous l'avez vu? J'appuie sur rond, je comprends pas, là, en vrai, genre... Je vais jamais l'avoir, hein. Je vais jamais l'avoir. Ok. Ok. Vous savez, j'appuie sur rond. Pareil. Oh là là! Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait ça tout le temps en fait. Donc il est distancé. C'est incroyable, ça va trop vite. Oh putain, je l'avais vu. C'est bon. Damn, c'était chaud. Oh non, pas une troisième phase. S'il vous plaît. C'était pas évident, hein, vraiment. C'est quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Allez! Bonne chose de faite, c'était pas évident. Et on aurait pu tourner un petit peu très temps longtemps libre. Comme ça. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ, tu dors pas? Je viens de regarder les enfants. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service?
T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre Fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, okay. Tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux? Ouais, bien sûr, pas de problème. C'est donc, parti. On se parle à nouveau? Cool. Va falloir faire attention à Martin Lee, parce qu'il est potentiellement dangereux. Allez, on va voir les tenues, je peux m'en sortir une nouvelle. Alors, il me faut des jetons de recherche encore et encore, j'en ai toujours pas. Et un jeton de base, elle est pas très... Enfin, elle est bien faite, mais je la trouve pas ouf. Course à l'armement, par contre, elle est la blindage, et ça, c'est assez insane. Je pense que ça serait plutôt cool. Et il y a aussi des modes de tenue, clairement, à débloquer. Et jusqu'ici, hop, voilà. Technologie de combat. Attaquer avec un gadget génère de la concentration. Un mode... Oh putain, c'est terrible. Jeton sac à dos. Je peux le faire. Ah, pas de loup. Un mode furtif. Les ennemis vous détectent plus lentement. C'est pas mal, ça. Scanner longue portée. C'est pas mal aussi. Analyseur de combat. Augmente l'XP reçu en battant des ennemis. Ça, les gars, il faut le prendre. Comme ça, on aura de l'XP beaucoup plus facilement. Clairement, ça, je le prends. Ok, c'est fait. On va prendre quoi d'autre? Cellule de puissance. Les esquives parfaites augmentent temporairement la puissance de vos coups. Ça vaut le coup, je pense. C'est un bon mode. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Scanner longue portée, charognard. Seconde peau. Réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée. Ça. Ça, les gars, c'est le feu. On a trois très bons modes, je trouve. Ensuite, niveau gadget. Niveau gadget, on a des petits trucs assez sympas. Voilà, déjà acheté, je peux... putain, je peux les améliorer encore et encore. Ajoute un à la réserve. Putain, en plus, je l'adore celui-ci. Je vais le prendre. Je vais clairement le prendre. Et niveau compétences, on a 4 points de compétences. Ah bah, il faut passer du temps. Il faut passer du temps à regarder ces choses-là. La méthode scientifique, merci pour ce trophée. Défenseur, innovateur et tisseur de toile. Très bien. Réalise un double saut d'araignée sans perdre d'altitude. Oh putain, c'est plutôt propre. Attendez, je regarde la petite vidéo. 1, 2. D'accord, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ok. Appuie sur croix lors du contact avec un point pour effectuer un lancement plus puissant. Oh putain, ça... Ah les gars, ça me fait quelque chose aussi, hein, il faut le dire. Augmente les dégâts et la portée de la frappe de toile. Ça me fait pas rêver. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de concentration. Maintenez triangle et rond et appuyez sur L dans une direction pour réaliser des figures aériennes et gagner de l'XP. Non mais c'est quoi ce délire? Ok, on va faire un tour dans les autres arbres quand même. Appuyez sur croix et maintenez triangle pour saisir un ennemi et le projeter. Très bien. Augmente votre marge de manœuvre pour réaliser des esquives parfaites. Et un contre, c'est plutôt cool. Yes, ça c'est plutôt cool. Et appuyez sur carré lorsque votre coup touche un ennemi pour générer un bonus de concentration. Laisse-moi regarder ça. Boum. Ok, d'accord. Très bien. Celui-là, il me tombe bien. Pour faire des esquives un petit peu plus parfaites. Maintenez triangle pour arracher les armes légères telles que les pistolets et les matraques. Ça peut être cool. Augmente la portée de l'élimination en hauteur. Ça peut être très très cool aussi. La prise de toile assomme les ennemis touchés, dégageant la zone autour de vous. Ah. Ah ouais. Les deux sont très sympas. Augmente la portée. Jusqu'ici, lui, on l'utilise peut-être un petit peu plus. On verra pour augmenter la portée prochainement. Allez, on y va. On va voir Martin Lee, le frérot. On va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Bon, je me doute de qui est Monsieur Lee dans les Sinister Six, mais je vais pas évidemment vous spoiler. Ça serait bête, voilà, pour tous ceux qui veulent la surprise. Je fais le let's play
pour vous, pour ceux qui aiment garder les surprises. D'ailleurs, évitez dans les commentaires, d'aller, pardon, dans les commentaires, pour pas vous spoiler, sait-on jamais. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Bon. Voilà, hein, vous savez bien qu'il est louche. C'est pas comme si il savait beaucoup de choses. Hey. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Ok. Alors, vu que je suis en mode Peter, ça risque d'être compliqué pour descendre. Non, il y a des escaliers, ça marche aussi plutôt bien. Mais c'est plus long, on va pas se mentir. Ok, c'est parti. On est de sortie. Mary Jane a bien raison hein, de se méfier de ce Monsieur Lee. Elle a vite saisi qu'il pouvait nous cacher pas mal de choses. Quand bien même, de toute façon, on ne peut pas savoir pour le moment ce qu'il cache exactement. Mais il sait déjà beaucoup de choses sur le masque et le fait qu'il nous mette en garde. Bon, c'est très étrange. C'est quand que je rejoins Octavius, là, le frérot ? Allez, le masque terminé. J'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégonfler les pattes. Et ben voilà, encore un nouveau niveau, encore un point de compétence. Ça fait extrêmement plaisir. On va devenir très vite, je pense, des machines. On a un sac là-haut. Oh, de jour, c'est beau aussi. Hein. Putain, le jeu est vraiment beau et plaisant. Hein. Incroyable, mais vrai. Hein. Ok, normalement... Ah putain, oui, d'accord. Ok, on va passer par ici. Hop, on se prend l'immeuble. On nous a signalé une bombe de stupéfiants. Besoin d'unités supplémentaires dans le Lower East Side. Place de Confucius. J'aurais pu. Peter, Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Bon, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas. Je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau. Je me sens trop forcé. Wouh ! J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Yo les gars ! Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Oh, il est chaud de ouf ! Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Allez, ça dégage. Hein. Oh, il est chaud de ouf ! Oh, il est chaud de ouf ! L'admiration est réciproque. Mais ce nombre de patates qui me colle ! Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Ok. Oh putain, lui il est chaud de ouf. Hop. Élimination du premier coup. Allô ? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, lui, tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage. Hop, j'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Allez, j'y étais le boss. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Il m'embrouille, hein. Il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Il m'embrouille totalement. Ok, notre quête est à 8000 km à peu près. Ça fait plaisir.
j'étais le boss. Ça, c'est juste avant ma mort. Mod Street, c'est juste avant ma mort. J'ai clairement été le boss. Ok, on est parti. Oh putain, ce panneau, je l'avais pas vu. Heureusement que Spider-Man, il est chaud de ouf. Hop. Je suis boss. Hop. Clairement. Boss de ouf. Oh, ça va tellement. Tout va tellement plus vite. Avec le double saut comme ça, là. Allez, on y va. On se casse, désolé. Hey, c'est terrible, cet épisode 6, je l'enregistre à la suite du 5, hein, vraiment. Mais j'ai des bugs, en fait. J'ai des bugs d'inattention. Tellement je suis préoccupé par ce que je fais. J'essaye de tisser ma toile comme un boss, quoi, finalement, tu vois. Comme une araignée australienne. Parce que, bon, en Australie, on sait bien que les araignées, frère, c'est des chevaux, le bordel. Et là, clairement... Je suis assez fier de moi, de ce que je propose, quoi. Attends, parce qu'en plus, on fait ça, mais j'oublie pas mal de choses. Faut que j'aille au labo d'auto, les gars. Il risque de se passer quelque chose. Le problème, c'est que tous ceux que Peter connaît... Appel à toutes les unités. On a une course poursuite en cours. Vivienne Mouche. Dans le quartier de West Village. Ok. Allez. On va direct chez Otto. Putain, je suis boss. Et cette fluidité des mouvements de Spider-Man, c'est vraiment incroyable. Tout ce qu'il arrive à faire, putain, c'est fou. Allez, boum. On est parti. Direction le labo, on va voir ce qui se passe. Allez, comme d'hab, on en a profité pour se changer. Toujours les toilettes, hein. ça a pas changé. On y va. Otto, dis-moi tout. Je te dirai qui tu es. Ça marche comment? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes! Hey, mais où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborn. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Très bien.
Très bien, très bien. Il m'a fait de la peine. Honnêtement, j'ai vraiment eu de la peine pour le professeur Octavius. C'était triste, c'était terrible. Autre travail ? Pourquoi pas photographe, par exemple ? Je sais pas. Je propose comme ça. Au pif, faut mettre, mais il faut bien gagner de l'argent. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être ? Lui dire de parler à son père ? Il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hé, il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Alors, avant d'y réfléchir, on va avant tout prendre le sac. Oh, une casquette de livreur de pizza! Incroyable. Ah, on m'a sifflé. Quelqu'un veut un autographe? Je peux régaler n'importe qui par ici. Yo, mon frérot. Allez, check-moi ça. Allez, on est parti. On y va. Il y a des jetons. Jetons de je ne sais plus quoi. C'est assez terrible parce que je sais pas où on peut les avoir. Ah! Jetons de crime. Ça, on prend, les gars, pour les tenues. Les tenues, les modes et tutti quanti. Clairement, il nous les faut. Ça demande pas de... De temps plus que cela. Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchères Roseman. Tiens, écoutez-le celui-ci, on parle du loup. Ce que confirme, c'est que les malfaiteurs... Et ben voilà. Je comprends, hein. La caméra est terrible. Par contre... Ils ont bien modélisé l'intégralité de la boutique, hein. C'est plutôt cool en soi. Hein. Ok. Ok, je suis boss clairement. Et je pense que personne peut me tester. Allez, toi on t'achève convenablement. Parce que tu mérites. Oh, brisage de nuque, ça dégage. Un bon vieux braquage à l'ancienne. Même les criminels se mettent au vintage. C'est plutôt cool. Entoilé, trois ennemis à un mur. C'est dommage. J'aurais bien voulu le faire, mais j'avais pas encore mon super pouvoir. Qu'est-ce qu'on a là? On a peut-être des trucs intéressants, dites-moi. C'est à 400 mètres. On y est presque. Mais on va pas le faire. Ça risque de nous demander pas mal de temps. Donc je pense que c'est toujours bon d'aller prendre un ou deux petits sacs qui traînent à côté. Qu'en pensez-vous? Et en plus, on a un monument, on a tout ce qu'il faut. Allez, go. Ça, c'est fait. Oh, lentille fendue, c'est bon ça. Ok. On y va. Boum! Refuge de la mission Clinton. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a. Oh putain, en plus, on a un crime à côté. On est gâté en ce moment. On est gâté. Hey, un bon vieux vol avec effraction. J'adore le classique. Ah, vous avez tous oublié vos clés. Et ben voilà, ça dégage. Ça dégage. Il reste qui là dans cette histoire? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et où vas-tu? La frérot. Bah alors. Je les ai tous. Parle pas comme alors, ça mon pote. Que j'ai gagné. Ok. Allez. On est parti. On va pas aller à notre objectif tout de suite. On va courir sur le mur parce que c'est plaisant. Qu'est-ce qu'on a? On a un sac. On va aller récupérer ce sac là et puis on va s'arrêter là je pense. On aura fait encore pas mal de choses dans cet épisode. Incroyable. Peut-être aller regarder un tour du côté des stats, enfin des compétences, de ce qu'on peut améliorer. Voilà. Ça, c'est fait. Un brouilleur de voiture. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. On a récupéré presque, j'ai bien dit presque, la moitié des sacs. Ça, c'est plutôt plaisant. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère qu'encore une fois, je vous ai fait passer un agréable moment. Portez-vous bien. À la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.